Ah ouais, moi je vais faire 1 milliard demain, je vais être milliardaire. Tu sais même pas de quoi tu parles. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hachi, on est là pour tout péter. On est là ensemble les gars, on est en équipe, pourquoi on est déterminé, on lâche rien. Donc l'idée c'est quoi? De pouvoir te permettre d'être motivé, passer à l'action, pouvoir être libre, ok, voyager où tu veux, quand tu veux. Et pour moi, un des meilleurs chemins, c'est le business en ligne. Si tu l'as toujours pas compris, regarde les gens les plus riches au monde et tu comprendras. Et passons directement au sujet de la vidéo. Faut-il vraiment rêver grand? C'est le petit sujet de cette vidéo qui va être assez courte et rapide, mais j'avais envie d'en parler. Qu'est-ce qu'il y a déjà? J'ai déjà dit qu'il faut rêver grand. Mais pourquoi t'interviens? J'ai pas encore parlé en fait. C'est incroyable ça. Fais ce qu'il veut, en fait tu fais ce que tu veux toi. Là on est en direct, là je suis en train de tourner là. Donc du coup, évidemment, oui, j'ai déjà dit qu'il faut rêver grand. Mais mon point, c'est que l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils rêvent grand, mais ils sont pas prêts à assumer derrière. Donc oui, tout le monde dit ouais, faut rêver grand, tout ça, et c'est vrai. Faut rêver grand parce que quand tu te lèves le matin, si ton rêve c'est de gagner 100 euros en plus, tu seras pas motivé, je pense pas. Tu seras pas motivé de ouf. Tu diras, c'est bon, on peut attendre demain. Si c'est 100 euros, voilà. Parce que 100 euros ça change pas ta vie. Mais si tu es en mode, ouais, tu veux faire, je sais pas moi, 20K, 30K en fonction de ce que ça correspond en plus, parce que c'est pas une question d'argent, les gars. C'est pas une question d'argent. Même si on parle d'argent, c'est pas une question d'argent. C'est qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? L'argent ça fait rien. C'est pas ça, l'argent te rend pas, l'argent ne te donne pas de bonheur. C'est quand tu utilises l'argent que ça te donne du bonheur. C'est quand tu sais ce qui se cache derrière l'argent. Si jamais tu veux aider des gens, si jamais tu veux avoir une villa à Miami parce que tu as toujours kiffé, tu as toujours voulu faire ça, si jamais tu as un projet de film, j'en sais rien, qu'est-ce que soient les projets que tu as dans ta vie, c'est ça qui te rend heureux. C'est de pouvoir t'accomplir en fait. Et l'argent est l'outil qui te permet de t'accomplir parce qu'on est sur une planète économique. Mais il n'y a aucun rapport entre le bonheur et l'argent. Tu vois, enfin, il y a un rapport parce que c'est un outil que tu as besoin. Mais si jamais je te donne 1 million, mais que ça ne correspond à rien dans ta life, les 1 million, enfin, je veux dire, tu n'as pas prévu de faire quoi que ce soit avec les 1 million, ça ne va pas te rendre plus heureux. C'est que du papier. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens ils pètent les plombs comme ça. Ou ils disent ouais, non, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. L'argent, ça ne rend pas heureux. Moi, je préfère être avec mes enfants et machin. Ça, c'est juste des discours de victimes, de gens qui ont abandonné hein, et qui essaient de se justifier comme ils peuvent parce que ça va être quand même dur de vivre avec des regrets et il faut bien trouver des excuses. Et dire, ouais, non, mais ça déchire quand même en vérité. Non, j'ai pas besoin d'argent en fait. Mais on est bien en fait, on n'a pas besoin d'argent. Pas besoin d'un restaurant, pas besoin d'être dans un hôtel 4 étoiles. En disant, on est bien là, on est bien. Mais évidemment qu'on est bien. Mais tout le monde est bien. Encore heureux que genre, on n'a pas besoin d'argent pour pouvoir être heureux. Sinon, les gens qui sont dans les pays où genre, il n'y a pas beaucoup d'argent, tu penses qu'ils sont, ils rigolent pas? Ils sont tout le temps comme ça? Bah non. En fait, tout le monde est heureux. Ça n'a rien à voir avec l'argent ou pas. Il y a des riches qui sont heureux et il y a des riches qui sont pas heureux. Il y a des pauvres qui sont heureux et il y a des pauvres qui sont pas heureux. Ça n'avait rien à voir avec le sujet de la vidéo et je sais même plus c'est quoi le sujet de la vidéo pour te dire. Ouais, donc voilà, du coup. Donc du coup, c'était genre par rapport à rêver grand. Ouais, les gens ne sont pas prêts à assumer en fait. Les gens ne sont pas prêts à assumer le fait que, ok, tu peux rêver grand, mais le fait que tu rêves grand, sache que ça va te donner lourde responsabilité. Voilà. Lourde persévérance, lourde passage à l'action massif. C'est-à-dire que plus ça va être grand, plus ça va prendre du temps et plus ça va demander de la persévérance et plus ça va te demander... Ouais, je crois qu'il n'y a pas de troisième, hein, je crois. Persévérance, encore une fois, c'est cadeau. Ah si, j'ai trouvé un troisième. Et plus ça va te demander d'apprendre. Parce que si jamais plus ton rêve est grand, plus ça va te demander de devenir une nouvelle personne à hauteur de pouvoir avoir ce rêve-là. Tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas genre... c'est tu deviens une personne, ok? Donc la richesse, elle vient de l'intérieur et après, c'est manifeste à l'extérieur. Donc la richesse, pour qu'elle devienne, qu'elle commence à l'intérieur, c'est la connaissance. Okay, la connaissance, c'est du temps. C'est du temps. Okay, que tu achètes quand tu prends un coaching, quand tu prends une formation, quand tu lis un livre, okay, ça te permet de pouvoir acheter du temps parce que tu achètes de l'expérience. Okay, au lieu d'expérimenter toi-même et de te rater, d'attendre 20 ans pour pouvoir trouver une solution, pour savoir vraiment, pour comprendre comment faire, bah tu peux télécharger tout ça ou dans une formation ou avec un coach ou dans un livre qui te permet de rassembler tout ça
une expérience que le gars, je sais pas, il a écrit sa biographie d'une vie, tu peux tout injecter en 2-3 heures. C'est juste, je comprends pas pourquoi les gens ont un problème avec la connaissance, hein, mais c'est toujours pareil. Si jamais tu trouves que la connaissance est trop chère, essaie de l'ignorance, tu verras ce que ça donne. Donc, oui les gars, pas de problème pour pouvoir rêver grand, mais sachez les gars, parce que je vois trop de gens, ils vont pas assumer. Ah ouais, moi je vais faire 1 milliard demain, je vais être milliardaire. Tu sais même pas de quoi tu parles. Tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est ok. C'est ok, tu veux être milliardaire, ok, pas de problème. Ok, qu'est-ce que tu fais? C'est bien, ok, milliardaire. Quels sont les sous-objectifs? Quels sont les sous-objectifs qui tentent pour pouvoir être milliardaire? Si tu n'as rien, t'as maintenant, et tu penses que tu vas faire de 0 à 1 milliard, désillusion. Et ça va faire mal parce que tu vas abandonner, je ne sais pas ce que tu vas faire. Voilà. Milliardaire, ok. Sous-objectif, comment je fais? Quel pilier j'utilise? Comment je peux faire? Donc, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Mais je parle pour les gens qui, genre, ils veulent rêver grand, mais derrière, ils ne s'imaginent pas le travail qu'il y a derrière en fait, pour pouvoir atteindre cet objectif. C'est comme je me rappellerai toujours, je parlais avec un jeune et je lui disais, ouais, qu'est-ce que tu veux faire et tout. Ouais, moi je veux être acteur, hein, je veux être Denzel Washington. Je lui dis, ok, cool et tout, machin. Et qu'est-ce que tu fais pour pouvoir faire ça, tout ça? Est-ce que peut-être qu'il faut te lancer dans le théâtre, prendre des cours de théâtre? Je suis pas un pro, mais j'imagine qu'il faut bien apprendre l'acting, tu vois, enfin, comment jouer, tout ça. Les théâtres, quand j'ai dit théâtre, il m'a dit, ah ouais, non, c'est relou. Et voilà, on y est. on est en plein dedans là. Ah, c'est relou, il a même pas commencé. Il veut être Denzel Washington, mais il a même pas commencé. Mais Denzel Washington, j'imagine même pas comment il a taffé comme un ouf. Donc rêver grand, pas de soucis, mais derrière rêver grand, patience, persévérance, se former, grandir, t'es obligé de grandir, t'es obligé d'être une nouvelle version de toi-même. Tu peux pas rester le même aujourd'hui et avoir des résultats de multimillionnaire, par exemple. C'est impossible, c'est juste impossible. Tout doit changer, les gens qui sont autour de toi ne doivent pas te reconnaître. Ils doivent dire, mais t'as changé, c'est un truc de malade, tu réfléchis plus pareil, tu penses plus pareil. Parce que tu ne peux pas avoir les pensées et les actions que tu as aujourd'hui et avoir des résultats différents. C'est juste impossible. Ça n'a pas de sens en fait. C'est pour ça que les gagnants du millionnaire, ils restent toujours les mêmes, genre pensées, actions, ok? Et même quand on leur donne 1 million, eh bien ils vont le dilapider, le million va disparaître. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas changé à l'intérieur. En fait, c'est comme s'ils ne méritaient pas ces 1 million. C'est même pas comme si c'est ça, en fait. Et même, c'est marrant, ça peut être différent parce que si jamais tu as le million et que tu changes ton état d'esprit, tu apprends, tu grandis, okay, tu réfléchis d'une manière différente, ben forcément, tu vas pouvoir garder cet argent-là et même le multiplier. Tu vois. Donc, rêver grand, c'est cool, c'est ok et il faut le faire. Mais maintenant, derrière, il faut que tu saches que va falloir l'assumer derrière. C'est pas juste, genre, des fois je reçois des messages. Ouais, moi je vais être multimillionnaire cette année. T'as de l'expérience, t'as déjà fait un business, t'as déjà. Non, 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 mais moi, dis-moi, je vais être multimillionnaire. Peut-être donne-toi 5 ans, 3 ans, 4 ans, tu vois. Et après, il va falloir charbonner vraiment, quoi. Ok, donc prends bien conscience du travail que demande l'objectif que tu vas atteindre. Et plus sera grand, plus ça va prendre du temps, plus ça va demander du persévérance, etc. Hein, Elon Musk, il veut aller sur la Lune. Non, c'est pas sur la Lune, c'est sur Mars. Il va pas le faire en un an. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que t'es vénère. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Tu t'es perdu, mon pote. Je pense qu'il faut que tu changes de chaîne. Hein. Et sinon, les gars, vous avez toujours la masterclass offerte où je te montre exactement comment pouvoir être libre, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Et les gars, d'ici là, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je suis allé ton camp.